Salut, aujourd'hui on va parler de poudre blanche magique. Pas la poudre à laquelle tu penses, mais du percarbonate de soude. Le précieux. Si tu connais pas, eh ben tant mieux, cette vidéo elle est faite pour toi. Et si tu connais, eh ben reste quand même, tu pourras dire dans les commentaires si j'ai oublié des trucs. Parce que oui, des fois j'oublie des trucs. C'est quoi? À quoi ça sert? Mais qu'est-ce qu'on en fait du percarbonate de soude? Vous doutez bien que si on fait une vidéo là-dessus, c'est qu'il est vraiment trop cool. On vous explique tout ça, mais d'abord abonnez-vous. Alors là, c'est la partie un peu relou, mais il y a des infos quand même intéressantes, donc ça vaut le coup d'écouter. Le percarbonate de soude est un agent blanchissant et détachant très puissant. On l'appelle également percarbonate de sodium ou eau oxygénée solide. Ouais, enfin, solide, c'est plutôt en poudre, hein. Il est composé de cristaux de soude appelés aussi carbonate de sodium et de peroxyde d'hydrogène. Le percarbonate de soude est la combinaison parfaite entre un nettoyant de surface et un détachant. Du coup, il a des propriétés nettoyantes, blanchissantes et désodorisantes. C'est pour ça qu'il va devenir l'indispensable de ton ménage. Et là, je te vois venir avec ton commentaire. C'est pas un peu chimique, ton truc? Eh ben non, pas du tout. Il contient des matières premières de malade, de l'eau, du sel et de la craie. Il contient pas tous ces additifs chimiques, genre la javel, le chlore, les phosphates, tout ça quoi. Il est bon pour l'environnement, il est souvent fabriqué en France, du coup, il est hyper écolo. Par contre, c'est pas parce qu'il est écolo qu'on en met la dose, hein. On y va doucement, ça sert à rien de surdoser. Bon, il a juste un pH un petit peu élevé qui peut être un peu irritant, donc tu t'en mets pas dans les yeux, tu le manges pas, tu le sniffes pas et tu mets des gants quand tu l'utilises. Enfin, après tout, tu fais ce que tu veux, hein. Je suis pas ta mère. Pour être actif, le percarbonate a besoin d'être en contact avec une eau chaude, entre 35 et 40 degrés minimum. Il va alors se décomposer en oxygène actif et en carbonate de sodium. Il va ensuite agir comme tensioactif et détachant, ce qui permet de dissoudre rapidement et efficacement toutes sortes de tâches. Grâce à lui, tu peux dire ciao à toutes les tâches de thé, café, herbe, vin rouge, sang, et tu peux préserver l'éclat de tes vêtements blancs, parce que du coup, ça va enlever le calcaire qui est responsable de la grisaille. Il nettoie super bien les joints, les moisissures, les trucs dégueux et même les toilettes. C'est pour ça que le percarbonate, c'est un produit hyper stylé et vraiment pas cher. Genre 5€ le kilo, et t'en as pour des mois et des mois. Tu veux savoir comment on l'utilise concrètement? Allez, c'est parti. Je te montre ma recette pour fabriquer un spray multi-usage. Pour ça, il te faut un flacon vaporisateur dans lequel tu mélanges 2 cuillères à soupe de percarbonate, 1 cuillère à soupe de savon noir et 1 litre d'eau chaude. Tu secoues bien, tu vaporises partout où tu veux nettoyer, il ne reste plus qu'à frotter et à rincer. Ça ne se conserve pas, il faut l'utiliser tout de suite, car en contact avec de l'eau, le percarbonate de soude perd petit à petit ses pouvoirs. Et c'est pas fini, il a plein d'autres utilités. Pour les textiles, pour entretenir le linge blanc, tu peux simplement ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe directement dans la machine à laver au moment de faire la lessive. Pour les tâches les plus coriaces, tu peux faire tremper tes vêtements dans 3 à 4 litres d'eau chaude avec 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate. Tu laisses agir 30 minutes, 1 heure, et sors. Et après, tu mets directement à la machine à laver, comme d'habitude. Pour les tâches vraiment vraiment incrustées, tu prépares une petite pâte en humidifiant 2 à 3 cuillères à soupe de percarbonate avec de l'eau chaude. T'appliques sur les tâches, tu laisses poser 30 minutes, 1 heure. Et ensuite, tu mets à la machine comme d'habitude. Pour les sols et surfaces, tu mets 1 à 2 cuillères à soupe par litre d'eau avec de l'eau chaude. Attention, tu n'utilises jamais sur les parquets cirés, lino et autres surfaces fragiles. Et en cuisine, pour les casseroles brûlées et tâches incrustées, tu peux faire tremper la vaisselle dans 1 litre d'eau chaude et 3 cuillères à soupe de percarbonate. En gros, c'est hyper facile, tu ajoutes quelques cuillères à soupe dans de l'eau chaude et tu fais ce que tu veux. Attention, il ne faut pas utiliser avec du vinaigre blanc car ils se neutralisent l'un l'autre. En fait, c'est pareil qu'avec du bicarbonate de soude. Il ne faut pas le stocker à plus de 40 degrés, ni près de bois ou de papier. C'est un super comburant, donc il pourrait propager le feu s'il y en avait un. Ce serait un peu dommage. Il ne faut pas respirer les vapeurs ou toucher à main nue, c'est irritant. Donc évidemment, on ne le mange pas. Ne pas utiliser sur les plaques vitro-céramiques, sur de l'aluminium, sur les plans de travail en marbre, les parquets cirés, lino et autres surfaces fragiles. Et voilà, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le percarbonate de soude. J'espère que tu vas l'adopter et surtout l'adorer. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire des commentaires, à partager et à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !